mariage édifie. Là où on est désespéré, là où la main de l'homme s'arrête, c'est la continuité de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il ne mélange pas sa gloire. Alléluia. Amen. Salut, je m'appelle Nyaka Marie. Mon témoignage est que depuis 1998, j'ai fait une demande de logement social. 1998. J'ai fait une demande de logement social comme beaucoup d'entre nous. Sauf qu'en 2013, mon dossier a été reconnu prioritaire par la commission d'Anneau. Alors, donc j'en devais me loger dans les 6 mois à suivre. Donc le maire de la commune et le préfet, c'était la responsabilité. Donc, quand je suis venue ici en décembre 2017, là pour, comment on appelle ça, on devait faire 4, je crois, des bains d'huile. Voilà, on devait faire des bains d'huile, on a acheté 4 bouteilles. Voilà, je crois, action prophétique. Donc, quand j'ai fait la 4e bouteille, quand je suis allée me coucher aux environs de 1h du matin, j'ai fait un songe. Dans mon songe, le prophète Joël Crasso est venu avec une de mes soeurs et un autre prophète encore ivoirien pour me souhaiter la bonne année 2018 écrit sur la ligne de mon de ma, ouais, la fenêtre pardon. Voilà. Or mes enfants et moi nous vivons dans un 7 mètres carrés. 7 mètres carrés. Depuis, bon, ils sont nés plus tard, certes, mais depuis 2004 et 2006 ils sont nés. Donc j'attendais, j'étais impatiente, mais je n'avais pas le choix, j'étais obligée de supporter. Voilà, donc après les bains, comment on appelle ça, les bains durs, il m'a souhaité la bonne année 2018 avec une de mes grandes sœurs. Et puis après je me suis demandé, je lui ai dit, mais tiens, pourquoi ma sœur avec le prophète, pourquoi elle ne le connaît pas? Voilà, donc là au mois de mai, nous avons été relogés dans un grand, en tout cas un grand appartement comme je le souhaitais. Voilà, parce que je disais à Dieu, j'ai tellement attendu pendant longtemps, si je rentre dans cet appartement, je ne veux me plaindre de rien. Je ne peux même pas me plaindre de quoi que ce soit. Et le Seigneur a répondu à exaucer ma prière comme je l'avais souhaité. Voilà. Je voulais un grand salon. Je voulais un grand salon, je voulais une grande cuisine, je ne voulais pas de baignoire. Et il y avait des balcons aussi. Je dis, mais tiens, là, c'est la totale. Et en plus de cela, je suis rentrée dans mon appartement le 28 juillet. Un de mes petits frères est venu me rendre visite, ce qui n'a jamais existé depuis 1988. Je suis en France ici. Personne. En tout cas, on m'ignorait. On dirait que j'étais ignorée. Donc, c'était moi qui allais vers les autres, personne ne venait vers moi. Et ce qui est important, bon, j'ai été logée, certes, parce que par la foi, je savais qu'un jour je serais logée. Mais c'est qu'une de mes petites nièces s'est mariée devant le maire, ce qui n'a jamais existé dans la famille. Parce qu'on se marie. Voilà. On se marie. Et on retourne chez le père, 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelles que soient les années, tu vas faire 10 ans, ça va, ou 10 enfants, ça va s'arrêter. Donc là, je dis merci au prophète, je dis merci à Dieu par la voix de son prophète, parce que nous, mes enfants et moi, nous avons été libérés et le joug est brisé. Voilà, donc c'était pour dire merci. Jésus. Alléluia. Amen.
parcouru les églises, elle a parcouru tous les chemins, elle a parcouru les médecins. Avec tout son dossier, quand elle arrive ici, je dis quand elle arrive ici, dis quand elle arrive ici, quand elle arrive ici, la stérilité fuit.